Eh bien bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau live sur GamersLive.fr. Je suis en compagnie de monsieur Sticky Rise. Salut. Et de monsieur Julien. Bonsoir à tous et à toutes. Et Julien, à quoi est-ce qu'on joue aujourd'hui, dis-moi tout. Alors on est sur Warframe, et ouais. Vous êtes in-game, on est sur PC. Exactement. Et on est, c'est édité par Digital Extreme. Et c'est aventure, mémo, on nous dit action. Et c'est du multi-coopératif. Donc et c'est free to play. Il va falloir jouer avec les copains, ouais, c'est free to play, c'est bien. Mm. Et c'est sorti en France le 21 mars 2013. C'est un jeu qui s'est exporté aussi sur PS4 et Xbox One, si je me ouais, trompe pas. Ouais, ça y est, il est sorti sur Xbox One en effet. Il a mis un peu plus de temps que sur PS4, mais ça y est, il est dispo, ouais. Et il est dispo depuis le 29 novembre 2013 sur PlayStation 4 et sur Xbox One depuis le 2 septembre 2014, donc tout récemment, comme tu nous le disais. Et c'est interdit aux moins de 16 ans. Ouais. Vous vous êtes remis au jeu. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de mises à jour depuis que le jeu est sorti. Oui, beaucoup. Hein, le jeu a visiblement changé. Alors c'est plutôt Sticky qui va t'en parler, parce que moi, je l'avais vite fait essayer sur PS4. Vraiment vite fait. J'avais fait le tuto, j'avais pas trouvé grand monde. On a fait une vidéo sur PS4 d'ailleurs. Oui, exact, oui. Et du coup, j'avais pas creusé plus que ça. Et là, du coup, Sticky, le fait qu'il veuille faire un live dessus sur PC et tout, fait que je m'y suis un peu mis. Et du coup, j'y prends carrément plus goût que lors de mon essai. Vas-y, je te laisse voter du coup, Sticky, pour la MOP. Pour la map, je te dis oui, moi je te suis. Allez, suis-moi. Suis-moi sur Tessera de la planète Vénus. Donc il y a peut-être un petit peu de lag, hein, c'est le stream, hein, je suis désolé, je m'excuse, j'ai pas une connexion de cinglé, donc bon voilà, j'espère que c'est propre quand même. Julien, toi qui dois avoir le retour. Oh, pour le moment, moi, je suis encore en mode réclame. D'accord. Un peu de publicité, pognon. Ouais, les vrais contenus, quoi. C'est ça, voilà. Moi, je regarde EDF, moi. Les dernières pubs. Roulez électrique, hein, n'oubliez pas. Alors, bah, Sticky, du coup, tout seigneur, tout honneur, vu que tu as 44 heures de jeu au compteur, je te laisse un petit peu nous parler rapidement de quoi il s'agit, tout ça. Un petit peu les fondements de tout ça. On arrive sur le jeu, qu'est-ce qui se passe? Où on est? Est-ce qu'on nous le dit? Est-ce que c'est un mystère? Alors, c'est non, on nous dit tout, mais moi j'ai joué l'année dernière, donc ça c'est... Ça remonte à loin. Je sais juste qu'on est un Thanos, c'est tout. Et qu'on... Enfin, je sais même pas ce qu'on va faire. Honnêtement, il... Alors, j'ai est-ce pas qu'il y a un solo, grand. Un solo? Il n'y a pas de solo, il y a que du multijoueur. C'est que du multijoueur, Hormis la phase de tuto... C'est n'importe quoi, parce qu'en fait je suis mort parce que j'ai ma manette qui était branchée et je savais pas qu'elle reconnaissait automatiquement le jeu, et du coup elle s'est mise à vibrer et à tomber, plus le bordel. Et ce serait similaire à quelle série pour vous, ou c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire? Alors c'est un truc qui ressort de l'ordinaire, mais en fait qui s'apparente à pas mal de choses. Déjà, visiblement, spirituellement, c'est la suite d'un jeu, d'un TPS qui était sorti sur console, donc 360, PS3 et aussi sur PC, ça s'appelait Dark Sector. Je sais pas si ça te parle, toi, Julien. Dark Sector, ça me dit quelque chose de non, mais j'arrive Dark pas à voir en jeu. C'est un Gears of War-like, en fait. Mais on a un espèce de robot, un gars dans une armure, non? Non, ça ressemble aux armures qu'on voit là dans le jeu, en fait. En gros, on avait un mec qui avait une infection au bras au début du jeu, et ça nous permettait d'envoyer une espèce de shuriken à trois lames, un gros shuriken énorme. Et c'était assez particulier, et c'était pas mal du tout. Donc faut savoir que les mecs de chez Digital, c'est des anciens de chez Epic, hein, parce que c'est les anciens gars qui faisaient Unreal Tournament et Unreal Championship, qui se sont barrés au moment de Gears of War. C'était leur Gears of War, en fait, donc c'était Dark Sector. Et là, ça reprend, en fait, un petit peu le concept... De l'infection qui contaminait Aiden Tenno, d'ailleurs, hein, les personnages s'appellent les Tenno. Donc voilà, le perso de Dark Sector s'appelait Aiden Tenno, je pense qu'on sait plus qu'un simple clin d'œil.
Et là, du coup, ça nous... Alors, tu disais tout à l'heure, Sticky, que tu l'avais fait l'année dernière, et visiblement, le jeu a énormément changé depuis le début, puisque moi, en fait, quand j'ai commencé, je me suis réveillé, j'ai choisi entre trois Warframes, donc les Warframes, c'est les armures. Je me suis réveillé dans une sorte de stase, en fait, avec un mec qui a pris possession de mon armure, un espèce de méchant qui s'appelle Vor, qui est parti d'une faction ennemie. Et du coup, j'ai eu, on va dire, 5 missions de tutoriel où il fallait que je me familiarise avec mon armure, que je récupère quelques armes et ensuite que je chope des pièces pour mon vaisseau pour récupérer tous les modules en fait importants dans le vaisseau, quoi. Donc ça, visiblement, toi, tu ne l'avais pas fait à l'époque, Sticky. Moi, c'était pas organisé de la même manière, c'est-à-dire que quand je l'ai fait, moi j'avais qu'une mission, c'est-à-dire qu'on me voyait sortir de... J'appelle ça l'œuf. On sort de l'espèce de petite matière, et on doit tout de suite se défendre, et on choisit rapidement une arme, donc comme toi t'as dû faire, normalement tu choisis une arme à distance, une arme au corps à corps. Et mon tuto s'arrêtait à la fin de la première mission, c'est-à-dire que je tuais directement, moi, t'as le Valor ou t'as le... je sais plus quoi. T'as le Vor. Voilà. Tel Vor, je crois que c'est bien. C'est juste Vor des Grinir, en fait, cette race de cette faction. Vor, il me semble que c'est juste ça son nom. TH devant. Tel, ça faisait un petit nom. Je me trompe peut-être, hein, après. Oui, moi aussi, sûrement. C'est Nostromos, etc. Et donc. Et ça s'arrêtait là, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que mon tuto était terminé. Et après, c'était à moi d'aller me faire mes petites. Aller chercher mes petites warframes, faire mes petits objectifs, etc. D'accord, alors que là maintenant ça prend au moins 5-6 missions avant de l'affronter, hein, voir. Un petit peu plus long. Ouais. Et en plus de ça maintenant on a les. J'ai vu qu'il y avait un tuto, on est obligé d'aller chercher ses petites ailes, je sais plus comment elles s'appellent. C'est les. Les Arkwing là ? Ouais, les Arkwing. Alors ça j'ai pas essayé encore moi. Ah bah tu peux essayer dans... Si tu t'y mets ce soir, dans 4-5 jours. D'accord, très bien. C'est assez long comme d'habitude. Bah alors voilà, c'est peut-être le moment, vu que tu parles de ça, de assez long comme d'habitude, c'est peut-être le moment d'aborder un petit peu le système de free-to-play du jeu, puisque c'est ça qui en a fait rager pas mal au départ. Il y en a qui disaient que c'était un pay-to-win. Je trouve que c'est compliqué de parler de pay-to-win à partir du moment où c'est plutôt du PVE que du PVP. Déjà. Bon, finalement, on n'est pas vraiment davantage un joueur par rapport à un autre. Je te laisse un petit peu en parler, vu que toi, t'as quand même plus vœux que moi. On va dire que moi, pour l'instant, sur mes 50 heures, j'ai dépensé rien du tout. J'ai rien dépensé du tout. Pourtant, je suis aussi bien qu'un joueur qu'aurait acheté ou... pourrait justement favoriser le porte-monnaie plutôt que les heures de jeu. Ouais. Le seul avantage que ça apporte de mettre la main à la poche, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire qu'une Warframe à construire, on va dire en partant du principe que tu as tous les schémas, les composants, il va te falloir peut-être quelques minutes. Alors que là, par exemple, juste pour faire une partie de ta Warframe, il faut compter 12 heures ou 24 heures. C'est 12 heures, ouais. Mais en fait, le truc qui est bien, c'est comme on les craft en plusieurs parties, tu peux en mettre autant que tu veux à crafter en même temps. Ce qui fait que pour... Exact. Ah merde, je suis encore mort. Si quelqu'un peut venir me sauver, si tu veux crafter tes trois pièces en même temps, au lieu d'en avoir pour 36 heures, t'en as que pour 12 finalement. Voilà, mais après tu dois encore crafter la... La Warframe en elle-même, et là c'est 72 heures. Voilà, c'est ça. Vraiment, ouais. 36 heures pour les Arwing là. 36 pour les Arwing, d'accord. Ouais. Donc finalement c'est ça, c'est de l'attente, mais on n'a rien de... Débloquable uniquement avec du vrai argent, et ça c'est plutôt appréciable. Certes, faut être patient, enfin, faut pas déconner, le jeu est gratuit, donc ça peut être enfin, voilà, c'est presque normal qu'il y ait un système de pouce au crime quand même. Faut bien qu'ils gagnent leur vie, les mecs, ils sont pas juste bénévoles pour faire du jeu vidéo, quoi. Moi je pars du principe, toujours dans les free to play, que quand le jeu est intéressant, si on dépasse pas la valeur que vaudrait réellement un jeu fini de Stackabila, ça reste intéressant. En gros, là, j'estime que pour 30-40 euros,
Si jamais vous n'êtes pas trop patient, vous avez envie de vous monter votre Warframe rapidement et tout, vous pouvez vous dire que vous pouvez mettre 30-40€ sans que ce soit du vol. Après, plus, bon, ça devient discutable. C'est ça. Mais là, encore une fois, c'est tout à fait dispensable. Si vous êtes patient, vous pouvez vous en sortir pour vraiment zéro, quoi. Ah, et en plus de ça, par exemple, tout ce qui est cosmétique, on va dire les casques, certains casques. Il me semble même que des petits consommables qu'on peut accrocher à son armure, du style des petits bandeaux, des trucs comme ça, sont craftables également. Ils sont ouais, présents voilà. Sur certains événements. Je crois que quasiment tous les casques hein, le sont, hein. Pas que certains. Je crois qu'il n'y a rien en pièces de stuff qui soit pas débloquable à la sueur de ton front avec du loot et du craft. Hein. J'ai l'impression aussi, mais après, il faut peut-être attendre à chaque fois l'événement propice. Ouais, peut-être, je sais pas trop comment ça se passe, c'est un peu nouveau sur le jeu, moi. Parce que moi, j'en ai looté un, mais justement, je sais pas comment je l'ai eu. J'ai un casque d'une Warframe que j'ai pas, et j'ai remarqué que c'était un casque qui valait 50 platines, donc je me suis dit, bon, bah, les sous. Et je suis en train de le crafter, d'ailleurs, mais je sais pas comment je l'ai eu. Alors, est-ce que je l'ai looté en jouant tout simplement, ou est-ce que j'ai fait une mission particulière? Je sais pas. Pas trop de dire, moi, j'ai... Merde. Ouais, je suis en train... J'ai pas looté moi encore d'items vraiment intéressants pour le jeu. Donc du coup je sais pas trop comment ça se passe, si c'est au petit bonheur la chance, si c'est quand même intéressant ou pas. Je pense que non, c'est vraiment lié à des événements. Là par exemple je sais qu'il y en a un. Ouais. Mais c'est des événements très courts hein, qui durent par exemple qu'une heure. Donc faut être vraiment connecté au bon moment ouais. Et voir l'alerte, etc. Donc là, par exemple, tout à l'heure, il y avait un autre casque à gagner. Malheureusement, comme j'avais pas mes Elwing, je ne peux pas y aller. Mais il me semble que... c'est surtout par rapport à des events. Il y a pas mal d'events, d'ailleurs. J'ai joué un peu ce matin, j'ai vu deux events. J'ai joué là un petit peu ce soir, j'ai vu 2-3 events aussi qui se sont lancés au hasard. Donc ouais. Il y a pas mal de trucs, il y a toujours quelque chose à faire. C'est enfin, toujours. Il y a quand même des moments... Il y a quand même... Il y a l'air d'avoir beaucoup de contenu, hein, puisque... On n'a pas encore parlé des modes, il y a 22 Warframes différentes, il y a beaucoup d'armes, tout se craft, hein. Toutes les armes, les casques, tout. On débloque rien finalement, tout fait. On débloque que du blueprint, faut aller chercher des composants et ensuite faut crafter quoi, c'est toujours galère. Hein. Après ça va vite, hein. Il y a des zones de farm qui sont déjà reconnues, ça peut aller assez vite après. Ouais. Alors aussi, si on n'a pas parlé de ça, petite composante free-to-play aussi, c'est les possibilités de relever. En gros, si vous jouez tout seul, ou alors si vous jouez avec un groupe pas coordonné et que personne ne vient vous relever dans l'équipe, vous avez droit seulement à 4 vies par jour, en fait. Et après, à chaque fois que vous mourrez, c'est la fin de la mission. Voilà. Ça c'est quand même un peu relou parce que il y a des missions que tu peux faire qu'en solo. Je suis en train de penser par exemple, il y a le néant, je sais pas si tu peux le montrer, il y a le néant où c'est des zones où, que tu peux faire que tout seul. Et il faut quand même avoir une sacrée armure bien modée pour pouvoir y entrer. Parce que sinon bah, tu vas dépenser tes 4 points en quelques secondes. Quoi. Ça, il y a les paliers également. Donc en gros, à chaque fois qu'on remplit la barre d'expérience de notre personnage, en fait. Il y a donc tout le stuff évolue niveau 30 à chaque fois. Mais on a également notre personnage qui passe des paliers aussi, c'est pas que lié au stuff. Chaque palier, en gros, c'est une épreuve solo qu'on peut faire qu'une fois, toutes les 24 heures. C'est-à-dire que si vous échouez, vous pouvez pas recommencer avant 24 heures. Et ça, l'argent n'y change rien. Hein. Ça, c'est le but, c'est vraiment qu'on puisse essayer qu'une seule fois par jour. Donc finalement, moi je trouve pas ça si mal fait en fait. Parce que ce serait tout le contenu qui fonctionnerait de la même manière et finalement on pourrait pas faire beaucoup de contenu par jour et bah ce serait chiant. Mais là mine de rien il y a quand même énormément de contenu différent et finalement on a de quoi s'occuper tous les jours largement quoi. On n'en est pas dans les jeux type les Simpsons ou Farmville ou machin où finalement on se retrouve à faire des parties de 5 minutes par jour parce que si on met pas la main au porte-monnaie on peut plus rien faire d'autre quoi. C'est ça, ouais. C'est plutôt honnête, franchement. C'est vrai qu'il y a un côté très hack and slash, finalement, très farming, qui me fait penser plus à un Diablo qu'à un TPS classique.
Mais moi j'aime beaucoup en fait. J'ai beaucoup aimé Diablo 3 depuis Reaper of Souls. J'aime beaucoup Destiny qui a aussi un côté très farming hack and slash pour le stuff avec les pièces légendaires qui sont très compliquées à obtenir. Donc finalement là le jeu est vraiment c'est fluide, c'est plutôt joli. Moi il y a pas mal de trucs qui font que ça pourrait me tenir en haleine. On va voir comment le jeu évolue, quelle vitesse je drop des trucs intéressants. Si surtout toi Julien quand tu auras récupéré ton PC tu nous rejoins et tout. Déjà toi on t'a pas trop entendu, est-ce que ça te fait envie ce que tu vois pour le moment? Non, moi c'était un titre qui m'attirait hein, déjà. Ouais. Après faute de coéquipier, c'est vrai que j'avais un peu abandonné ça, ouais. Parce que moi je m'étais lancé au départ. C'est vrai que j'avais apprécié, j'avais vachement apprécié ce que proposait le titre déjà au départ. Donc je suppose qu'avec le temps ça s'est étoffé. Bah, et du moins ça a l'air de s'être étoffé dans les environnements, j'ai l'impression aussi. Ouais, il y a pas mal de planètes, là moi j'en ai que 3 pour le moment d'accessible, mais je crois qu'à terme il y en a 14. Donc, il y en a 14, plutôt... ouais. Et je trouve pour un free-to-play, c'est très honnête. Hein, en plus, comme tu nous as parlé, tout l'aspect financier qui n'est pas un pay-to-win en somme, donc ce qui est bien. Ouais, puis pas dispensable du... Pas indispensable du tout, quoi, donc... Nous ne sommes pas obligés, ouais, de prendre... notre porte-monnaie pour évoluer quoi, donc ça c'est déjà bien parce qu'il y a des free to play qui nous obligent forcément à prendre la carte bancaire, c'est ça. Il y en a beaucoup, ouais, même. Mais en tout cas, au niveau de la qualité, quand même sur du bon niveau, ouais. Puis c'est dynamique, comme disait Sticky tout à l'heure. Ah merde, je suis au sol, désolé, putain, je suis pas concentré ce soir. Ah, en fait, t'es parti tout seul, hein. Ah ouais, oui, t'es pas avec moi là, non, si, hein. Il y a un autre joueur avec moi en fait, pour ça je pensais que c'était toi. Merde, oh il a pas réussi à me sauver et il est mort, super. Alors moi ce que j'aimais aussi dans ce jeu, c'était que tu pouvais aussi aller avec ton espèce de bâton, enfin épée, je sais plus ce que c'est exactement. Ouais bah en fait c'est un bâton, une épée, ça dépend, voilà. il y a beaucoup d'armes différentes, oh le bug. Donc du corps à corps, ainsi que des phases de tir, et des phases de tir qui sont bonnes. On se retrouve pas avec des soucis au niveau de la visée, etc. Ah. Sauf que là, on se retrouve avec un bug magistral quand même. Ah, il faut qu'on puisse parler en mal aussi. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est beau, puis là, j'arrive pas à sortir. Ah. Donc, je comprends pas trop comment je vais pouvoir faire. Merde. Ils veulent pas de toi sur la zone de jeu, Gonzo. Donc, je vais essayer un pouvoir. Non, ça marche pas. Merde! C'est un beau bug! Ouais, je suis emmerdé là. Ah, puis là, ouais, là je suis tombé dans le vortex. Ah, ça m'était jamais arrivé, tu vois. Alors, je sais pas comment. On peut se suicider, mon petit Sticky? Bah, tu fais échappe abandonné. Ah, voilà, ouais, c'est bon, ouais. J'ai perdu une vie, mais bon, tant pis. Ah, le bug est magistral. Alors moi c'est pareil, ça fait 3-4 jours que j'y joue, j'ai pas mis une thune pour l'instant et je sens pas du tout la limite. Hein. Je me suis arrêté parce que j'avais envie de m'arrêter, pas parce que le jeu me disait « si tu veux continuer à jouer, mets du pognon, jamais ». Donc ça c'est un très bon point aussi. Après j'ai pas joué comme un gros cinglé non plus, hein. C'était par coup de 2-3 heures, tu vois. Mais on s'était fait une petite session avec Sticky, déjà... Ah t'es plus dans le... Non, je suis plus du tout dans les squads. Ouais. D'accord. Je sais pas pourquoi. Il y a encore des petits bugs comme ça. Genre, des fois, t'es exclu de les squads sans ouais. raison particulière. Bon, il m'est arrivé d'arriver sur des missions. J'avais pas voté pour. Je pars comme ça. C'est vraiment particulier. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je quitte ou je. Bah, en fait, faut que tu. Bah, comme tu veux, si tu penses pouvoir la terminer. Je suis avec quelqu'un en fait, là déjà dans le jeu, si tu veux. Mais... Bah, c'est pas très grave, parce que si tu fais abandonner, ce qui va se passer, c'est que ton serveur, enfin le serveur que t'es en train de mettre, va s'immigrer sur sa partie, donc lui va redémarrer ici, exactement là où vous êtes, avec tous les loots, les. J'ai quand même l'impression qu'on est vers la fin de la mission, parce que j'ai le point vert qui clignote. Ah oui, bah là, si vous avez le point vert, allez-y quoi. Allez, au bout. Mais ouais, allez au bout. Désolé. Donc après, au niveau des missions, tiens, peut-être autant en parler tant qu'on vas-y, ouais, y est. Il y a plusieurs types de missions, donc il y a les,
Alors, il y a les défenses, déjà, où le but est de défendre, par exemple, un point. Tout simplement, on a peut-être un réacteur à défendre, ou une zone de stockage, qui est généralement fixe, mais qui peut être également mobile. Donc, des fois, on est obligé d'aller à plusieurs points pour défendre des différents points des assauts ennemis. Donc, ça rend le truc assez rythmé. On est obligé, des fois, de se partager les tâches, parce que les ennemis ne s'arrêtent pas, parce qu'on a beaucoup, beaucoup. On a la capture, bah oui, également la capture. Donc, la capture, on doit aller chercher quelqu'un qu'on doit tabasser, qui se retrouve par terre et qu'on doit emmener. Enfin, on sort de prime, on l'assomme et puis on l'emmène un peu plus loin. Enfin, on le recrute, enfin, on l'enlève ouais, pour quelqu'un généralement. Après, je sais pas ce qui lui arrive. J'en ai pas fait de mission comme ça, moi encore. Après, il y a quoi ? Il y a les extractions également, où le but est d'aller générer un espèce de générateur, de générer un générateur, enfin, d'alimenter un générateur pour qu'il nous détecte des zones où il y a possibilité d'avoir des artefacts, et ensuite on doit aller à la zone de l'artefact et demander à un extracteur pour qu'il nous retire cet artefact. Donc ça prend un certain temps, par exemple, je crois que ça dure à peu près 1 minute 30 de défense. Et donc le but est de tenir ça, il y a un flot d'ennemis pas possible, c'est pour moi les missions les plus dures, je trouve que c'est des missions assez chaudes. Il y a ça, il y a quoi d'autre également, donc j'ai parlé de la défense. Il y a les assauts de forteresse, où là par exemple on va prendre position dans l'une des trois factions, c'est-à-dire qu'on va avoir à nos côtés des greeners, ou le consul, je sais plus comment il s'appelle là, le corpus. Voilà, le corpus. Le corpus. Ce sont ceux qu'on affrontait pendant cette mission, justement, les mecs avec les espèces de casques carrés là, sur la tête, un peu bizarre. On va prendre position pour l'un ou pour l'autre. On va les aider soit contre les infectés, soit contre le camp rival. Et il y a également l'intelligence artificielle, autrement. Ça pète pas haut, ça se met à couvert, quoi. Non, je veux dire, comme faction. Il y a une faction, c'est une IA en fait. Ah bon ? Non, ça ouais. Je crois que ça fait partie du corpus. Ça. Non, en fait, c'est quand même une faction à part. C'est une faction qui a disparu. Je regarde, en fait, ils sont dans le codex, ils s'expliquaient. C'est une faction qui a disparu, mais en fait, ils ont laissé une telle technologie qu'ils peuvent encore, les IA peuvent encore prendre possession de pas mal de trucs et rester sur des mécanismes de défense. Et le corpus, tu dois parler des primes. Ouais, je crois pas. Il semblait pas qu'il s'appelait comme ça, mais ouais, ceux de. Les blancs, ils sont blancs et dorés, je sais pas. Et ils ont des espèces de lumières verdâtres en fait, en mode possession, des armures et tout. Ah, je vois pas. Je vais les croiser. Je te quitte. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a encore Vénus, 6, 8, Istar, 8, 13, Défense, Corpus. Tu veux faire une mission de défense ? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Du coup, tu m'as invité à une partie ? Je t'avais invité, mais il y a longtemps. Ah, parce que là, je t'ai réinvité, mais t'es plus là. Bon, alors je te réinvite. Ah. J'ai patienté, je crois que j'ai tout fait bugger. Au niveau du système d'escouade... C'est un peu bizarre, ouais. Ouais, c'est un peu d'ailleurs, particulier. Je vais faire ami uniquement, voilà, comme ça on n'aura pas de mec relou. Ouais, je crois que j'ai fait bugger le bordel, je suis pas certain, il va falloir que je redémarre mon jeu. Merde. Et bah tiens, le temps que tu fasses ça, je vais montrer vite fait les modes en armurerie, comme ça voilà, ça fera un petit entre deux. Donc là, on est à bord de notre vaisseau, hein. C'est le hub en fait entre les missions, j'en ai pas trop parlé. Donc au départ, il n'y a pas grand chose dedans, et puis en fait, dans le tuto, on va déverrouiller les espèces de modules qui sont dans la soute. Donc avec les modules, on a l'arsenal qui nous permet en fait de voir ce qu'on a dans l'inventaire, de modifier. Donc on peut voir par exemple si on fait customiser, on peut customiser toutes les couleurs de notre armure. Donc on a 5 couleurs par élément. Donc c'est plutôt cool parce que ça laisse une belle palette de personnalisation. On peut changer de casque. Bon là c'est avec de la monnaie.
avec de la monnaie du jeu, hein, de la vraie monnaie, je veux dire. Mais après, on peut aller dans le marché, on peut acheter quelques trucs, notamment des sentinelles ou des trucs comme ça. On a également, donc, oui, on va montrer les pouvoirs. Je crois pas que ce soit là. Non. Les pouvoirs ici, donc voilà, chaque warframe en fait a 4 pouvoirs qu'on développe au fur et à mesure qu'on fait progresser la warframe. Là, moi j'ai que les 3 premiers pour l'instant. Ils sont vraiment tous différents. Sticky, toi tu as 2 warframes, t'en as une qui heal. La deuxième, elle fait quoi? C'est un espèce de, on va dire, c'est un bourrin au corps à corps, mais qui est très fragile. Alors, c'est une nana qui tape partout avec ses petits points. Et l'autre, c'est Trinity, c'est ça? Je voulais dire que c'est la trailer Veller. non, l'autre. C'est Trinity. L'armure de Hill, c'est Trinity, elle s'appelle. Voilà, exactement, elle me permet. Donc, elle permet, c'est vraiment une. Celle-là, c'est vraiment la warframe de soutien qui permet de redonner de l'énergie, de la vie et également un petit peu de DPS. Je peux me défendre avec si vraiment il y a plein d'ennemis sur moi, etc. Après, moi, j'ai la warframe, une des 3 warframes de base en fait. C'est la plus équilibrée, la plus simple à jouer. C'est Excalibur, qui est une warframe assez offensive hein, finalement. On voit, il est à base de dash, aveuglement, super saut. Et le pouvoir divin, c'est un javelot radial. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je ne peux pas trop vous dire ce que ça fait. À noter quand même, il n'y a pas de mauvaise warframe dans le jeu. Hein. C'est pas parce que, par exemple, Excalibur, c'est pas parce que c'est la première warframe qu'on a dans le jeu qu'elle n'est pas bien. Hein. Monter niveau 30 avec de bons mods, c'est en fait, toutes les warframes se valent à peu près. C'est juste qu'elles ont des stats et des intérêts différents au combat. Et ça, c'est finalement un gros plus. On n'est pas obligé de faire la quête à toutes les warframes. Si on veut s'amuser, on peut très bien se focaliser sur Excalibur, par exemple, enfin une des 3 warframes de base, et la monter, et puis faire tous les donjons, toutes les missions avec cette warframe-là. Hein. C'est tout à fait possible, voilà. Après, c'est vraiment des gameplays différents entre chaque warframe. Quoi. Voilà. Alors, je vais montrer également donc, les fameux mods. Alors, les mods, c'est dans améliorer. Voilà. Donc, les mods, en fait, c'est ces fameuses petites sortes de cartes qu'on va looter sur les ennemis et à la fin des missions. Donc, vous voyez, en fait, sur capacité, là, en haut à gauche, j'ai 1 sur 13. Ça, c'est en fait, au fur et à mesure, parce qu'en fait, toutes les pièces montent, hein, même les armes et tout, elles montent en niveau de 1 à 30. Au fur et à mesure que les pièces et les armes vont monter de niveau, elles vont gagner en points de capacité. Et en fait, on voit sur les fameux modes là, par exemple, celui-ci va coûter 2 en capacité avec un petit logo à côté. Le logo, c'est la polarité. Donc en gros, il y a certaines pièces, certains slots de la pièce d'arme ou de la pièce d'armure qui vont être équipés de certaines polarités, ce qui vont réduire en fait de moitié les coûts. Et il y en a d'autres qui vont avoir des polarités différentes, et du coup, si on les place sur des trucs qui ont déjà une polarité, ça va coûter 2 fois plus cher. Donc, en gros, il y a une certaine stratégie à adopter sur comment on place ces modes sur ces armes, les polarisations des armes, puisque bien entendu, une fois qu'on a augmenté son arme niveau 30, on peut décider de la polariser pour d'une polarité particulière. Donc, en gros, si vous voulez faire. Si vous voulez donner une polarité particulière à vos 8 slots de pièces, il faudra monter votre arme 8 fois niveau 30 en fait. Et à chaque fois, on repart de zéro. Hein. Donc du coup, il y a quand même vachement de contenu, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de mods qui vont demander de plus en plus de points. Plus ils sont puissants, plus ils vont demander des points, hein, c'est évident. Donc du coup, il n'y a aucune arme qui est vraiment ridicule. Il y a beaucoup de mods à trouver. On va pouvoir fusionner des mods. Il y a vraiment énormément de choses à faire à ce niveau-là. D'ailleurs, ça va se passer. Je vais montrer un petit peu l'atelier de craft. Toi, c'est bon de ton côté, tu as relancé le jeu? Ouais, c'est bon. Ok, alors déjà, je vais te réinviter. On va voir si ça fonctionne. Tac. Ah. Voilà, donc ça, c'est l'écran de mode. Donc là, on peut fusionner 2 modes pour les rendre en faire un plus puissant. On peut transmuter 4 modes au hasard pour finalement avoir une chance d'avoir un mode rare. Donc ça, c'est quand même très risqué. Ou on peut revendre nos modes.
Ah. Parce que sachant que tout ça, c'est vrai qu'il s'est échoué, donc va falloir que tu me renvoies une petite invitation. Ouais. Décidément, on n'a pas de chance ce soir. Ouais. Voilà. Bon bah du coup on va battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Je vais lancer une mission et puis on finira par le craft. On va aller sur Mercure. Mercure, il n'y a pas grand chose de mon niveau. C'est plutôt en dessous. La Terre pareil, ouais, on va continuer sur Vénus. Hein. Désolé. Du coup on avait dit capture ou défense. Défense on avait dit. Défense. Alors là, ouais. Je te propose ça, tu peux voter, vas-y. Ça passe. Oh, j'ai dit oui pourtant. Non, c'est le décompte. Voilà. Et donc du coup, ouais, il y a un autre module que j'ai pas montré qui sert à crafter les objets. Donc en gros, bah, on récupère les schémas. Il nous dit qu'on va pouvoir crafter ça si on a le schéma, mais qu'il nous faudra tant de ressources. Et les ressources, et bah, il faut les farmer sur les planètes dans les missions. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà, et les plans d'ailleurs, on peut soit les acheter, parce que j'ai remarqué ça tout à l'heure en parcourant un peu le marché. Oui, oui, en fait, on peut acheter pas mal de trucs avec des crédits. On en parlait hier quand on y jouait. On se disait qu'on pouvait pas, que finalement le marché il était là que pour le vrai argent, mais non, il y a finalement pas mal de choses qu'on peut acheter avec les crédits du jeu. Hein. Et ça, par exemple, moi à l'époque quand je jouais, ce qui était pas, c'est à dire que si je voulais une Warframe en particulier, il fallait que j'aille farmer un boss. Pour avoir la Valkyrie, j'ai farmé pendant je sais pas combien d'heures. Bon, alors ça a bugué encore une fois. Je sais pas d'où ça vient. Bah non, là, pourtant, moi je te vois encore en jeu là. Bah ouais, mais non. Moi j'y suis pas, moi je retourne dans mon hub à chaque fois. Alors je sais pas d'où ça vient, parce que moi j'ai tout coupé de côté. J'ai... Ça peut venir en fait, il y a un truc qui. Ah, attends. Peut-être parce que j'ai fait ami uniquement et vu qu'on n'est pas amis sur le jeu. Ah, peut-être bien. Moi, j'étais dans mes amis. Ah bon, mais on fait comment? Parce que j'ai pas réussi à ajouter. Alors, donc tu vas dans échappe, communication, ami. Et en fait, il faut cliquer sur l'image, ajouter un ami. Ah, oui. Moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre. Je crois que c'est des petites images d'illustration. On verra. Oui, c'est ça. Il est déjà ami avec vous, bah ouais, mais moi je te vois alors, pas. En fait, je te parce vois que... pas en... Alors tu vas dans en attente, normalement en tu dois avoir ah, oui. Accepter ami. Voilà, bon, on va pouvoir relancer. J'espère que cette fois ça va fonctionner. Star Corpus. Voilà, c'est proposé, vas-y. Pas encore dans le métier. Ah, t'es dans mon escouade, pourtant je te vois là. Non, je te. Ah non, je suis dans mon escouade. Ah, pardon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus. Non, c'est pardon, j'ai plus. Voilà, c'est bon. On va y arriver, ne désespère pas. C'est dommage que ça bug comme ça, moi je me souviens pas que j'avais ces bugs à l'époque. Avec l'arrivée du hub. Trop de monde maintenant, peut-être. Le succès. Le succès, ouais. Alors là, ça a l'air de bien partir. Pas ton petit vaisseau. On peut customiser d'ailleurs. Ah ça je savais pas. On peut acheter des petites colos pour son vaisseau. J'ai remarqué ça aussi tout à l'heure. Ça change pas grand chose parce que le vaisseau ne bouge pas, ne fait rien. Mais bon, je crois que c'est pas cher. Hein. C'est vraiment 5 platines. Sachant que ça peut se vendre entre 200. Enfin je veux dire, tu peux en acheter 200 ouais, je crois. Il y a plein de casiers là, la pièce où on a démarré en fait. Voilà. Ah ouais. Faut fouiller un peu hein, parce que on a vite fait de péter des coffres et des machins qui nous filent des thunes. Voire même des fois des mods. Ah c'est très rare les mods. C'est très rare mais ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah ouais? Ah moi je. Ouais. Ouais, une défense, donc là le but ça va être de tenir ce petit réacteur au milieu. Ah, un certain nombre de vagues, et ensuite, en fait, toutes les 5 vagues, on a 5 qui tout double, hein, c'est ça? C'est ça, voilà.
Voilà, donc en gros, toutes les 5 vagues, on nous donne la récompense. Et on nous dit, bah maintenant, tu choisis entre remettre ta récompense en jeu et refaire 5 vagues de plus. Si tu gagnes, tu gagnes encore un autre truc, plus ta récompense que tu viens de récupérer. Et si tu perds, bah c'est mort, quoi. Tu perds tout. Tout intéressant pour ceux qui ont le goût du risque. C'est foncé, là. Mais vraiment, quoi. Alors, fais attention, j'ai pas pris ma Valkyrie. J'ai pris la... Ah, en plus. La Trinité, ouais. Bah justement, si t'as pris la Trinity, tu devrais pouvoir... Non, je me suis trompé. Je me suis trompé, j'ai pris la... Comment on appelle ça, là? La Valkyrie. La Valkyrie. Ouais, d'accord. De la vie. Parce que j'ai plus que 28 de vie, déjà. Mon avis, c'est parce que t'as pas encore modé ton armure, tu devrais commencer à mettre des mods style pour gagner, justement, avoir un peu plus d'armure, avoir plus de... Si, je les ai polarisés, enfin pas polarisés, mais montés avec. Montés avec. Avec justement des doublons, etc. pour maximiser son effet. Pas encore. Parce que j'ai pas eu deux fois le même. C'est ça, ça marche que quand on a deux fois le même. Tu peux également trouver des cœurs de réacteur. Ah avec oui, les cœurs de réacteur, c'est vrai. C'est vrai que j'en ai en plus, oui, je suis bête. J'en ai pas mal, faudrait que on essaiera ça peut-être après. Alors après, je sais pas si tu le sais, mais il y a un système d'évolution des planètes également. Alors comment ça l'évolution des planètes? Alors c'est-à-dire que les planètes en fait ça, d'après ce que j'ai compris, alors là c'est d'après ma compréhension qui n'est jamais... Il est toujours très approximative, mais d'après ce que j'ai compris et ce que je le ressens d'ailleurs par moment, c'est qu'en fait les deux factions plus les infectés se battent souvent entre eux, et du coup ça peut leur arriver de perdre des planètes pour une faction, du coup en gagner une autre. Ah d'accord, pour, ouais. Ça change un petit peu les ennemis, ou des fois c'est carrément les infectés qui prennent le contrôle de la planète. D'accord, ouais. Ouais, c'était pas mal. Ça, ça change un petit peu l'univers, etc. C'est sympa. Je suis au sol, ouais. Si tu peux venir me... Ouais. Regarde le gyroscope. On va pas refaire 5 vagues de plus, hein, parce que j'ai vraiment... De pas avoir le son et parler en même temps, je peine. Je peine pas mal, quand même. J'ai mal optimisé mon arme, ça tire un chargeur en 2 secondes, c'est sympa, je trouve ça super cool, mais je recharge toutes les 30 secondes, du coup. Alors attends, là, laisse-le, on va chuter un petit peu, par contre, on va attendre qu'il y ait un ennemi, on sait pas où il est, on va pas le chercher, on va laisser remonter un petit peu la barre de vie. Tire-moi dessus, plutôt. Un petit peu se sur moi parce que pour pas perdre la mission, voilà, c'est mon caca. Voilà. Donc c'est assez varié, il y a pas mal de choses à faire, on se marre bien pour que vous ayez 3 potes pour jouer, surtout c'est gratos quoi. Et surtout au niveau de la fin du jeu, arriver au level on va dire 15-20, on est obligé de jouer avec quelqu'un, on peut plus... Enfin, à partir du moment où ton armure 36, mais si t'es au niveau 15-20 et que tu veux faire des missions de ce niveau-là, il faut absolument avoir quelqu'un, sinon bah... Ouais. Ah là déjà, tu vas les encore mort. Tu les recommences, mais... Ah non, fini. Là déjà, je galère, hein. Tu vois, là, j'arrête pas de mourir. Déjà, je veux bien, d'ailleurs, ouais, merci. Je n'utilise pas trop mes pouvoirs aussi, c'est peut-être ça mon grand tort. Ouais. Voilà, les dashs comme ça. Faut pas hésiter à les spammer. Hein. Je suis pas hyper fan en fait des types de pouvoirs de l'Excalibur. Bah, peut-être que tu trouveras ton bonheur sur une autre Warframe.
J'espère, ouais. C'est vrai que je suis pas hyper emballé. Elle est simple, en fait. C'est vrai qu'elle est, c'est une Warframe qui est très accessible en début du jeu, mais elle est peut-être un peu classique et c'est pas forcément ce que j'aime trop dans ce genre de jeu. Voilà, c'est vrai que bim, voilà, un gros dash dans le tas, ça fait pas mal de ménage, mais... Peut-être que t'as peut-être pas encore très bien saisi le gameplay, enfin je sais pas, il y a peut-être un gameplay particulier. Bon, je sais qu'avec la Valkyrie, pas, enfin. Non ? Non, il y a pas vraiment de gameplay particulier. Avec Excalibur, au contraire, c'est vraiment hyper accessible, quoi. T'avais le choix entre quoi et quoi? Je crois que t'avais le choix entre donc l'Excalibur, la Mag. Mag et la troisième, je sais plus laquelle c'est. C'est la Banshee, la Frost. T'en as une électrique. C'est ça, la troisième, c'est celle qui est électrique là. Ouais, je vois. La Volt. Ouais, ça doit être ça. Extraire du coup, voilà. Ouais, on va extraire parce que c'est vrai que là c'est un petit. Débrouiller avec la Trinity, parce que c'est là j'ai un peu de mal à justement choper les bons. C'est surtout que c'est en groupe, ça prend tout son sens quoi. Ouais. Est-ce que t'as rencontré un petit peu le Stalker? Parce que j'ai entendu parler de ça, mais moi je l'ai pas encore vu. Et ça, je trouvais l'idée excellente en fait. C'est ça, moi j'ai un. Si tu veux, ça fait. Ce matin en fait, j'ai fait une mission. Et ça a déplu au corpus, je crois, qui m'a balancé un stalker. Donc voilà. Le stalker m'a envoyé gentiment un mail. Il m'a dit... Un mail, pour te dire, je viens te péter la gueule. Mais bon, il est toujours pas venu, donc je pense que, voilà, c'est juste impressionné. Non, visiblement, ça veut dire qu'il viendra, mais il dit pas quand, et en général, c'est quand t'es en mauvaise posture. D'accord, ouais. Donc en gros, si ça se trouve, à un moment où moi je vais crever, il est capable d'arriver à une mission, un assassinat. Assassinat, c'est un boss, ça, carrément, je crois, non? Ouais, bah 8-10. Ah bah vas-y, c'est parti. Allez, on va montrer un boss comme ça. Ah. C'est Jackal, je sais pas si tu l'as déjà fait. Ouais, ça a l'air d'être un robot, hein. Ça me dit quelque chose. D'ailleurs, chaque boss, donc, mis à part le boss, on va voir comment il se déroule celui-là. Un plan, ouais, ça m'étonnerait pas. Vu le nombre de planètes, le nombre de boss et le nombre de Warframe actuel, je pense qu'il y a des chances que tu aies un plan pour une partie. Hein. Ok, bah du coup, je te laisse passer devant. T'as pas changé d'armure, si? Si, c'est bon, j'ai pris la Trinity. Pour te soutenir un petit peu plus. J'ai pas changé mes modes, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de fusionner. J'ai essayé de me concentrer un peu plus. Julien, si t'as des questions, des trucs, c'est le moment de meubler, d'y aller. Parce qu'on va essayer de se concentrer pour monter le plus possible. Vous avez beaucoup concentré, ça y est. Et ouais. L'échauffement est terminé. Ah, je suis déjà mort. Mais ouais, je me fais vraiment défoncer en 2-2 quoi. Non, ils étaient deux à me tirer dessus là, il y en avait un dans le dos que je voyais pas. Ouais. Alors d'aujourd'hui on peut aller jusqu'à quel level? Alors c'est 30 par pièce en fait. Bah, même les armes et tout c'est 30 aussi. Ouais, les armes aussi c'est 30, ouais. Les modes ça dépend du mode. Et de l'une des étoiles. Il y en a certains qui montent jusqu'à 10, je crois. Ouais, c'est ça. 6, 8 ou 10 petites ondes bleues là. C'est pas mal, hein, on a vraiment. Donc ça fait. Il y a une plateforme aussi avec PlayStation 4 et la Xbox One, donc chaque joueur joue sur sa plateforme. C'est pas cross-platform, hein. C'est une légende urbaine et ils voudraient le faire, mais c'est pas encore en place en tout cas. Ouais. Mais ils le font, je sais pas. Ce sera pas mal. C'est pas mal, mais je suis pas sûr. Bon,
ça me paraît compliqué à mettre en place. Histoire de pognon aussi, ouais. Ouais. Est-ce que c'est Warframe qui fait acheter une console? Ouais, non. Pas non plus une config de cinglé. Je tournais quasi à fond avec ma 660. On a une bonne qualité et un bon stream. Ouais. Ça envoie pas mal graphiquement. Voilà, tout est à fond vraiment, burn à burn. Hein. Je peux rien mettre de plus, des occlusions, tout est vraiment à fond. Donc c'est vraiment. On va pas voir avec ça, ou alors avec une autre évolution. Là, on est en 1080. Il y a une PS, mais on arrive à identifier la beauté du type. Ouais, c'est globalement, pour un jeu gratos et pour un jeu qui a cette vitesse d'exécution, hein, parce que. Mais derrière, ça va, oui. C'est plutôt appréciable. Et bah, du coup, moi, je trouve que c'est pas ridicule techniquement, hein. Franchement, loin de là. C'est ce qui est pas tant pour ce qui te plaît. C'est jouissif, surtout. Moi, j'aime bien, tu vois, dans le train. Faut pas réfléchir, hein, c'est clair que. On va dire qu'ils ne se cantonnent pas qu'au tir, il y a aussi le corps à corps. Ils rajoutent cette petite dose, voilà, le côté juicif comme tu dis. Et je pense que ouais, c'est un gros plus. On n'aurait que des séquences de shoot, je pense que le titre serait bien moins apprécié. Je pense aussi, ouais. Bah ouais, parce que surtout qu'il n'y a pas de système de couverture, quand on en parlait, on peut pas se plaquer contre des murs ou tout comme ça. Donc du coup, il faut vraiment un truc nerveux, quoi. Et là, le fait de rajouter du corps à corps, ça rend justement toute la nervosité au jeu, quoi. Le Warframe aussi, ses pouvoirs et tout en plus, sont vraiment différents selon les Warframes. Bon, surtout, oh putain, je vais avoir besoin de vie. Merde, ah non, je vais avoir besoin de... Ouais. Enlever. T'es où en fait? En bas. Ah, t'es là, d'accord. Quoi? Ah, oh, parce que je vais arriver à Tony. Ouais. Cassé là. J'ai cassé la caméra. On dit que toi t'as une marche au niveau 30, hein. Donc c'est tout ce qui me balade quand même beaucoup plus que moi. Moi je suis à peine niveau 10, hein, donc. Un peu le niveau 9 ou un truc comme ça. Dans tes niveaux quoi, faut vraiment même faire attention quoi, même si t'as ouais, un des ennemis, faut moi c'est pas rien. Quand je me retrouve face à des ennemis level 30, si je passe ma journée à faire du level 8-10, je vais foncer dans le tas au final quand t'es niveau 30 et je vais me faire poutrer en. Surtout qu'on est que deux et que le jeu est pas plus facile, qu'il n'y a pas d'équilibrage selon le nombre que vous êtes, le jeu est fait pour 4 joueurs, point barre, si vous jouez tout seul, c'est votre problème, pas celui du jeu. Parce qu'en plus, il propose un système de pick-up automatique qui est vraiment très accessible. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, faut peut-être rentrer pour pouvoir lui tirer dessus, j'ai l'impression qu'on ne veut pas... Allez, parti. Trouver la strat, je m'en souviens plus. D'accord, donc c'est tout. Alors voilà, il va mettre une zone, il va falloir passer par-dessus cette zone. Par-dessus ou alors rester. Merde. Rester à l'extérieur, ça marche aussi. Donc, même rester en dessous, ça marche. Et il se téléporte. Ah d'accord, c'est bien de comprendre. Il fait des dégâts. Comment on lui fait en des fait, dégâts du coup? Il me semble qu'il faut lui tirer, tu vois, bras droit, bras du machin, etc. Faut viser partie. Éviter de viser le corps. Tirer dans les pattes, donc c'est vraiment en bas. Il va casser une patoule. Voilà. Ah, hyper complexe.
deuxième boss du jeu. Il y en a, je m'en souviens, il y a un chasseur avec son espèce de chien robot là, qui est carrément plus que relou. C'est horrible à jouer. Ouais. Ah, là, il y a du trash mob qui vient pimenter l'action du coup. Je suis en train de poser. C'est un de style. Tellement à avoir là. Apparemment, je vais commencer à manquer de munitions. Ah merde. Voilà. Faire une Warframe avec justement des munitions, c'est pas mal. Hormis sa zone, j'ai l'impression que je fais pas grand chose. Il a pété une autre bulle. On leur fait une mettre tranquille. Voilà. On va dedans, on va tout péter. Merde. Il me voit voler, mais je fais des vols planés. Oui, c'est aussi. Ça va, il est pas trop coriace. Non, il est juste relou parce qu'il pousse tout le monde. Ça qui a PV, ouais, et qui pousse tout le monde, mais bon. Beaucoup d'énergie parce que c'est très rare les boss qui donnent de l'énergie. Ah, par contre, je suis pas sûr non plus dans le champ principal. Plus d'armes, hein, tant pis. Ouais, pareil, il arrête pas de me repousser là, ça va être un peu. C'est lourd. Voilà, c'est bon. Là. On l'a eu ? Ouais, c'est bon. Alors, du coup, s'il y a du loot, il est où ? Mais normalement, tu vas voir en partant, je crois que tu vas voir si t'as looté quelque chose. Quand on va retourner dans le vaisseau, il va te dire. Ok, bah super, c'est pas si mal passé que ça. Après, je pense que le fait que je joue avec une Warframe un peu hors niveau, ça va peut-être te casser un peu le plaisir du jeu, parce que c'est vrai que là, tu vois, c'est... Non, ça, va, promenade. Ça va. Tu sais que moi, quand j'ai commencé, j'ai testé ça, avec un rien qui arrivait avec le gros armure, je me casse toi, je me jouais un petit peu. Ouais. Pour moi, le plaisir de ce genre de jeu, si je suis pas forcément maintenant, et si je suis... Merde, putain, je suis mort, tu vois. Donc ouais, je suis quand même tombé pas mal de fois. Ici, plutôt dans le endgame où c'est vraiment des boss très difficiles avec des vrais strats et on a besoin de 4 joueurs full level. Alors, il y a une petite partie PVP que j'ai pu tester rapidement. Ouais, finalement, c'est ailleurs. Ouais, mais je peux pas trop en parler parce que j'ai pas compris. Ouais, mais vraiment, il est moyen. Ouais, cette impression. Ouais, je vais désactiver une console, on évitera de se péter l'alarme, c'était 2 secondes. Merde. Je pense que t'as montré le système de glissade, le fait qu'on puisse courir sur les murs. Bah, j'ai montré un petit peu, ouais, on l'a vu, alors après je vais pas trop expliquer, mais c'est vrai qu'on peut voilà, faire des glissades comme ça, on peut en maintenant il passe à n'importe quel moment grimper sur quasi tous les murs hein, du jeu, il n'y a pas de problème. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là, il y a des petites différences, mais les hitbox sont plutôt permissifs d'ailleurs. Contre le boss, mais la mission est loin d'être terminée.
Ah quoi ? Ah, pour courir du chemin, hein, la rose rien. Ah, de l'autre côté en fait. Ouais. Et je te propose de rusher tout ce qu'on peut. Oh, on arrive. Ouais, super. Voilà, on a fait ton premier golf. Tire de fusion et tromblon, c'est tout, mais pas. Ah, t'as pas eu schéma de chassino ou. Ou alors je te sortirai par mail. Ah si, schéma châssis Rhino à gauche, oui, j'avais pas vu. Oui. Oui. Et c'est quoi le châssis Rhino du coup ? Alors le Rhino, je pense, je suis pas certain, mais je crois que c'est le tank, l'équivalent à un gros tank. Ouais, bah, je regarderai ce que ça vaut, mais pourquoi pas. Si t'as reçu un petit message. Non, j'ai pas reçu le message. Ah bah c'est le... Ah. Un sourire, hein, ça. Un segment à installer. C'est Stalker qui t'a envoyé un message. Ouais, mais là c'en est un autre. Je sais que je suis en train de m'attirer, mais je crois qu'ils veulent pas trop du bien. C'est le segment. C'est ce qu'on arrive à faire dans la mission. Alors du coup, bah, on va aller voir la fonderie, ou ouais, la châssis Rhino. Ah bah je peux le crafter en fait. Déjà tout ce qu'il me faut pour le crafter. Du coup... Après il faut voir si tu veux faire la Rhino, parce que je crois que c'est pas très avantageux de la crafter puis de la revendre après, il me semble. Le montrer, alors je vais regarder pour l'instant, j'irai voir sur wiki et tout ce que ça vaut. Ah bah, Arsenal, tu peux voir un petit peu à quoi ressemble. Ah, mais qu'est-ce que voilà. Quand alors, tu cliques dessus, tu t'en équipes en plus, l'armure. Donc, ouais, c'est ça, tu t'en équipes. Voyage XP. Ouais, elle est pas hyper sexy, ouais, c'est vraiment un tank quoi. Plus de boucliers et d'armure que celle que j'ai quand même, beaucoup plus. Et elle a rien de moins, j'ai l'impression. Je les montre un petit peu toutes comme ça. Les gens verront un peu ce que ça donne. On l'a vu. Ah, il y en a des très particulières. Hein. Ouais, il y en a une, je crois que c'est la Limbo avec son espèce de pantalon en tête d'éléphant, elle me fait marrer à chaque fois. Ouais, je suis pas encore tombé dessus. J'aime beaucoup la Mesa. Ouais, je crois que c'est la dernière qui est sortie. C'est... La mag est jolie aussi. Loki, ouais, j'aime pas trop. La fameuse Limbo, ah ouais, elle est marrante. Ouais. Oh, c'est très classieux. Oui, ça a l'air d'être un tank pareil que Rhino d'ailleurs. Je sais pas ce que ça vaut la frost, il me semble que c'est plus du DPS, je suis pas certain, ou c'est... Au niveau des stats, elle monte pareil que Rhino, en fait, par rapport ouais, à Mike. À mon avis, elle doit plus jouer avec des AOE, style, vu que c'est frost, à mon avis, elle doit jouer avec la glace. Ouais. Banshee, elle est stylée aussi. Donc.
Voilà, voilà. Est-ce que on a des choses à rajouter, messieurs ? Pour ma part, non. Pardon ? Pour la mienne non plus, je pense qu'on a fait un gros tour un peu grossier, je pense. On essaiera de faire des vidéos avec Julien un peu plus tard, ça pourrait être marrant. Je pense qu'on va faire sur ce jeu. Et puis voilà, je pense que sur ces belles paroles, on va se quitter, parce qu'il est déjà tard et qu'on vous a fait tout un tas de vidéos ce soir. C'est ça. Donc, sur, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre, plus personne à dire. C'est terminé. Une bonne soirée. C'est over. Décision. Bien, et bien messieurs, bonne soirée. Et bonne puis, soirée. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur GamersLive.fr. Ciao. Ciao.